Bessé-sur-Braye, ses 2300 habitants et sa papeterie. Dans cette zone rurale à la frontière entre la Sarthe et le Loir-et-Cher, Arjo Wiggins fait vivre beaucoup de petites entreprises. Thibault Lambert s'occupe d'une partie de la maintenance sur le site. Donc là, vous voyez le genre de pièces que l'on pouvait réparer de chez Arjo Wiggins. Donc là, c'est une pompe qui permettait l'approvisionnement en pâte et en eau sur la table de formation de la machine pour la production du papier, quoi. Donc voilà. Même à très court terme, il ne sait pas s'il doit continuer à envoyer ses employés travailler pour le papetier. Voilà, on va dire que ça vient de se passer, donc bon, c'est on prend au jour le jour, on va dire, les informations, donc on attend. À quelques kilomètres de là, Didier Chartrain est installé depuis 40 ans, dont 25 à travailler pour Arjo, comme on l'appelle ici. Dans son atelier, certaines machines servent exclusivement aux travaux pour Arjo Wiggins. Son entreprise familiale aurait du mal à surmonter une fermeture de l'usine. 40% du chiffre d'affaires. Si ça s'arrête, c'est très grave pour moi, je pense. Ça va être de plus en plus dur. Ouais. On verra pour les licenciements, au pire, je ne sais rien. J'éviterai. On va essayer de continuer, mais je les dépanne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jour et nuit, 24 sur 24. Okay. Et 7 sur 7. Pour l'ensemble du bassin de vie de Bessé, une fermeture d'Arjo Wiggins aurait des conséquences désastreuses. Jacques Lacoche, maire de la ville, a déjà commencé à alerter les responsables politiques. Pour nous, c'est vital, quoi. C'est la vie économique de la commune. Et de la commune, du bassin de vie, quoi. Alors j'imagine les personnes qui sont entrées il n'y a pas longtemps, qui ont acheté une maison, voilà, c'est le désarroi, vous vous rendez compte, c'est fou. Après la liquidation de Colwell en 2012, Bessé-sur-Braye pourrait connaître un nouveau coup dur industriel. A l'époque, l'ancien maire se réjouissait de la présence d'Arjo Wiggins. Il expliquait que sans elle, la commune pourrait mourir.